les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Comme chaque lundi matin, vous le savez, sur Style FM, la place au sport et aux résultats sportifs qui arrivent dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va parler football américain ce matin. Et pour cela, nous sommes par téléphone avec Rodolphe des Dragons de Poitiers. Rodolphe, bonjour. Bonjour Samuel. Alors aujourd'hui, nous allons parler du calendrier des matchs pour le groupe senior. Alors, est-ce que tu peux nous donner dans un premier temps les adversaires que va rencontrer ce groupe ? Alors oui, le calendrier est tombé, on connaît les adversaires, et donc ça va être une poule de 4 équipes. Là, en premier, alors donc bien évidemment Poitiers, il y aura les Narvals de La Rochelle, eux tout juste promis à ce niveau. Il y aura ensuite les Maraudeurs d'Angoulême, qui étaient déjà là l'année dernière, et les Aurochs de Cahors, la même chose, qui étaient là l'année dernière. Donc ces deux équipes, l'année dernière qui étaient promues, ont réussi à se maintenir, et puis on les retrouve pour cette année. Donc des groupes que les Dragons ont déjà rencontrés, donc connaissent un petit peu les équipes. Voilà, c'est ça. Alors est-ce que tu peux nous donner les dates de ces rencontres ? Alors les dates, ça va commencer très fort pour Poitiers, on va dire en termes d'organisation, pas forcément en termes d'adversaires, parce que le groupe reste un peu faible, contrairement aux années précédentes. On commence déjà le 22 janvier. On reçoit La Rochelle, les Narvals de La Rochelle. On enchaîne avec le 29 janvier, donc c'est que des dimanches. Donc le 29 janvier face aux Maraudeurs d'Angoulême, toujours à Poitiers. Et on enchaîne encore deux semaines plus tard, encore à Poitiers, face aux Aurochs de Cahors. Donc ça sera la phase aller. La phase aller sera 100% à domicile. Donc il ne faut pas manquer les deux derniers week-ends de janvier et le deuxième week-end de février. Donc toujours à domicile, à Poitiers, donc où exactement ? Alors, les deux premiers matchs, donc le 22 et le 29 janvier, vont se passer au Stade de Beaulieu. Et on espère que le 10 février, on est en train de demander si on pourrait avoir le Stade Rébellé. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la phase aller que je vous ai donnée, parce que du coup la phase retour sera que à l'extérieur. Il y aura deux matchs en mars, le 12 et le 24, et il y aura aussi un match début avril, voilà, en phase retour mais à l'extérieur. On aura l'occasion d'en reparler prochainement, oui, lors d'une prochaine chronique. C'est ça, mais là ce qu'il faut réserver c'est ces deux derniers week-ends de janvier et le deuxième de février. Voilà, donc un papier, un crayon, on met tout ça dans l'agenda, les deux derniers week-ends de janvier, donc au Stade de Beaulieu à Poitiers. Exactement. Merci Rodolphe, à lundi prochain. Merci Samuel. Bonne semaine.